monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce réveillon de Noël puisque nous sommes mardi 24 décembre, j'allais dire novembre, pas du tout. Mardi 24 décembre, ça y est, on y est. C'est les dernières cases du calendrier, à part celui de Marion, je crois, parce que il y a la case numéro 25, donc on verra ça demain. Mais voilà, je vais ouvrir les dernières cases. Ah d'ailleurs, j'ai oublié le cadeau de Laura dans le carton. Bougez pas, il est juste là. Voilà, en plus on commence par celui-là, donc le voici, c'est le dernier petit cadeau de Laura. En sachant qu'elle en a mis un donc pour Arthur et un pour mon chéri, que je leur ferai ouvrir demain, jour de Noël. Voilà. Ah, je suis là les cadeaux. Ouais, chérie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, donc ce vlog-là, bah, vous verrez, mais vous aurez le mix du 24 et du 25 dans un même vlog. Donc c'est parti, on commence. C'est la fin, ça y est. Ah mais non, ça c'est le 25. Il me faut le 24. Tu peux m'en donner un autre, chérie? Il doit y en avoir un autre dedans. Oh, j'ai failli ouvrir celui pour demain. J'avais pas vu qu'elle m'en avait mis un pour demain. C'est oui, oui, mon amour. Et heureusement que t'es là. Mon papa, il est où? Bah, ils sont dans l'autre carton. Parce qu'elle m'avait envoyé deux cartons, Laura. Donc, ça y est. La catastrophe est évitée de justesse. On ouvre bien la bonne... le bon paquet. Donc, il n'y aura pas grand-chose dans ces deux vlogs parce que bah, je vais être dans ma famille et belle famille, du coup je vous filmerai là, les petites tables, les petits trucs et tout, mais je ferai parce pas que de... j'ai vu le temps en croix et t'es à l'envers, donc je ne ferai pas de face cam parce que je serai avec avec ma famille. Alors ouh, oh c'est des aimants, alors ça va te plaire mon cœur. Donc bah c'est pour le frigo, donc c'est pour tout le monde. Donc un paquet de 6 magnettes, donc bonheur, grand bonheur, petit plaisir, joie, la vie et amour. Ils sont trop trop beaux. Oui, je te les donne. Mais attends, je les ouvrirai après. Et des petits stickers comme ça, papillons métallisés. Ils sont trop beaux. Est-ce que vous voyez? Ils sont trop jolis. T'as vu les autocollants pour ça? Wow. Tiens, tu les tiens? Donc voilà, merci Laura. Prêt. On faisait quoi? On faisait celui... de Marion. Alors, wow, il y a un truc qui vient de tomber. Et je crois, oui, c'est ce que j'avais déjà vu. Merci mon cœur, c'est ce que j'avais déjà vu dans la case 24. Donc bah, il nous est tombé dessus, puisque vous voyez, la case 24 était là et on a l'emplacement, il était dedans, vous voyez. Et oui, je l'avais déjà repéré. Donc voilà, un petit ruban doré, donc très joli, enfin un ruban, un scotch. Est-ce que dans la case 25 il y a le cadeau? Oui, je regarde pas trop ce que c'est, mais il y a le cadeau dans la grosse case 25 qui est ici. Donc on verra demain. Et je désosserai, comme je vous ai dit, ce calendrier pour être sûr qu'on n'a pas oublié quelque chose qui s'est glissé dans une autre case. Donc voilà. Il est très très joli. Ensuite, le Airwick. Chut, crie pas chérie. Donc il n'en reste plus que... Ah bah oui, c'est le dernier, ça oui. Les... Bah oui, tous les calendriers, c'est le dernier. Donc, c'est parti pour la dernière case. Oh, le petit truc est rouge là autour, au lieu d'être argenté. Bon, c'est la cannelle. Hein. Ouais, c'est la cannelle, mais vous voyez, ils ont... Attends, attends, chérie. Ils ont changé le truc, ils ont mis rouge là. Tiens. Donc, voilà, c'est terminé. Hop. Okay. Un premier à jeter, c'est triste. Ensuite, là... jolie couronne Yankee Candle, pareil, il reste le 24. Attention, c'est le dernier. C'est bien le dernier. Est-ce que je vais y arriver? Donc c'est la rouge. Et c'est... bah, retour des pistes, je pense. Hein. Ouais, ça doit être retour des pistes. J'aime bien celle-ci. Donc voilà, ça y est, bye bye. Je suis triste. Donc voilà, il y avait encore celle d'hier que j'avais pas brûlée pour une fois, j'y ai pas pensé. Ça arrive. Le petit thé, j'ai oublié de déguster celui d'hier. Je l'ai pas du tout dégusté. Ça me pique le nez à force de me moucher. Je l'ai pas du tout dégusté, du coup j'ai pas pensé à vous prendre. Voilà. Donc bah, il reste plus que la case 24 qui est donc une case carrée au lieu d'une case en long. Alors ça se trouve, c'est juste un sachet de thé classique, hein. C'est juste qu'ils ont mis dans une case carrée. Pourquoi, je ne sais pas. On va découvrir le mystère de la case carrée maintenant. C'est parti. Oh, c'est parce qu'il y en a deux. Ah, c'est trop cool ça. Ah, c'est trop bien. Il y a deux sachets de thé en fait. Alors attendez. Ah, ils sont collés avec des petites pastilles de colle. Et c'est la première année qu'ils nous font ça. D'habitude, il n'y a pas deux sachets de thé dans la dernière.
Voilà. Vous voyez, c'était une grande casse par rapport aux autres. Voilà. Donc pareil, bye bye Daman. Donc à l'intérieur, on a... Alors attendez, j'enlève les espèces de pastilles de colle là. Et des petites pastilles de colle derrière. Donc on a le Christmas Tea. Donc un thé noir aromatisé. Donc dans un beau emballage comme ça. Voilà. Thé noir écorce d'orange, arôme marasquin, caramel, ananas et huile essentielle d'orange douce. Je vais le goûter, mais pas sûr que ça soit un petit un coup de cœur. Hein. Et le deuxième, c'est un thé vert, le Christmas Tea vert. Du coup, c'est un thé de Noël, mais qui est un thé vert. Thé vert, morceau de pomme, arôme, cannelle, vanille, pomme, amande amère et huile essentielle d'orange sanguine, gingembre, écorce d'orange. Bon, à part l'orange, je pense que lui va plus me plaire. Voilà, je pense pas avoir le temps de déguster malheureusement aujourd'hui ou demain parce que on n'est pas à la maison. Donc voilà, mais c'était les derniers thés et je vais les déguster avec grand plaisir. Mais peut-être pas face cam, c'est ça que je voulais dire. Oh, ça fait vide. Du coup, on voit mon petit bordel derrière, ça fait tout vide. Bah, le pop, ça y est, on y est. Alors, Voldy ou pas Voldy? J'avoue que je serais déçue si c'est pas Voldemort. Parce que déjà, je vois pas qui on pourrait avoir d'autre. Un personnage un peu principal. Et l'année dernière, on n'a pas eu Voldemort. Je sais que beaucoup ont été déçus. Alors moi, j'avais pas été spécialement déçue. Parce que je m'attendais à rien en fait l'année dernière. C'était vraiment la découverte du calendrier, enfin de ce concept en fait de calendrier avec des petites pop Harry Potter. Mais là j'avoue que comme on l'a pas eu l'année dernière et comme on l'a pas encore eu là, j'espère Voldemort. Alors est-ce qu'il aura un nez ou pas un nez? C'est parti pour la dernière case. Je l'ai dans la main. Bye bye le calendrier. Alors une abonnée m'avait demandé si je comptais garder pour le petit décor des volets qui s'ouvrent, mais non, je le garde pas parce que je garde déjà trop de conneries moi à la maison et je peux plus entasser le truc. C'est plus possible quoi. Donc c'est très joli, le calendrier est très beau, mais non, je ne garde pas. Alors, c'est déjà de le déballer. Je touche pas trop jusqu'à ce que je vous ai montré. Je sais pas. Alors. Oh, il y a des cheveux, c'est pas Voldemort. Oh my god, c'est pas Voldemort! Oh, je suis déçue. Donc, alors attendez, on va quand même essayer de deviner. Je dirais une femme avec. Une femme parce qu'il y a une coupe frisée. On dirait qu'il y a des lunettes. Il y a des lunettes. Il y a un nez, donc ouais, il y a des lunettes. On a déjà eu Professeur Trelawney. Attendez, je regarde. Non, on l'a pas eu. On l'a pas eu et je l'ai en grand et je sais qu'elle a des lunettes et qu'elle a les cheveux frisés. Donc je vais dire le professeur Trelawney. Ah non, pas du tout, c'est Harry. Harry encore avec sa tenue de bal. Oh, je suis déçue. Ouais, là en fait, ils ont fait pareil comme, comme avec Ron. On a eu Ron avec sa tenue de bal, mais son blouson, en fait, c'est son espèce de blouson. Comme on a eu Harry en fait dans la première case où il avait cette tenue là mais avec le blouson. Et Ron, ils nous l'ont remis il y a 2-3 jours là avec toujours sa tenue de bal mais sans son blouson en fait de bal. Et là ils ont fait pareil avec Harry. C'est Harry mais on voit directement sa chemise, il a pas son blouson comme le pop de la première case. Oh, je suis archi déçue. Alors j'ai adoré ce calendrier, toutes les pop étaient très belles mais on n'a pas eu encore une fois Voldemort. Je sais pas, Voldemort classique, le classique, ou alors Voldemort avec le serpent, avec Nagini autour du cou, enfin, Voldemort. J'avoue, je suis déçue. Est-ce que le soufflet, comme vous, est un peu retombé? Enfin, est-ce que, comme moi, pour vous, le soufflet est retombé? Alors, la pop est très jolie, je veux dire, mais c'est comme Ron, ils nous l'ont remis, alors qu'on l'avait déjà eu en tenue de bal, mais c'est juste qu'ils lui ont enlevé le blouson, ils ont fait pareil avec Harry. Mimol sur le calendrier, enfin pas mimol parce qu'il est bien, franchement c'était trop bien de faire le calendrier Harry Potter ciblé sur Harry Potter 4, la coupe de feu, où ils sont tous en tenue de bal et tout. On a eu des personnages qui sont pas des personnages quand même principaux, certains professeurs, on a eu Ruzard qu'on connaît mais que c'est pas non plus un personnage principal, on a eu les jumelles, enfin il y a eu quand même pas mal de personnages que je m'attendais pas à voir et que j'étais contente de trouver dans ce calendrier, mais Voldemort bordel. Voldemort, on n'a pas eu encore une fois cette année Voldemort. Donc si Funko refait un calendrier pop l'année prochaine, je le reprends bien évidemment parce que je collectionne tout ce qui est sur l'univers d'Harry Potter.
Mais si on n'a pas Voldemort l'année prochaine, les boules quoi. Oh, mais je suis hyper déçue, c'est pas logique, c'est un des personnages principaux, enfin je comprends pas. Je comprends pas qu'il nous l'ait pas mis, c'est un truc de ouf. Ouais, là franchement je suis sur le cul. Bref, on va découvrir la dernière case de la sapinette. Qui, je pense, est un truc pour mettre là. En toute logique, hein. On va voir ça tout de suite. Ah bah non. Quoi ? Y a rien pour mettre en haut du sapin ? Mais what ? C'est pas possible. Donc c'est les reliques de la mort. Attendez, parce que je digère l'information. On va mettre là. Ils ont même pas mis dans la dernière case une étoile pour mettre en haut du sapin. Ah, vous me dites, ah, l'étoile est là, regardez. L'étoile est dessinée, en fait. Vous la voyez là, elle est dessinée. Mais même, enfin, genre, je m'attendais à avoir une étoile à mettre au-dessus. Parce que là, il faut la voir. Vous voyez, je l'avais même pas vue. Non, en fait, je sais même pas si... Parce que là, il y en a aussi une... Je sais même pas si c'est l'étoile qui est en haut ou si c'est une suspension. Oui, bah non, regardez. Là, il y a la même. C'est exactement la même qui est là. Donc, vous allez me dire qu'il n'y a pas une... Bah non, il n'y a pas de case 25. Je regarde. Attendez. Attendez. 25. Il y a une case 25. J'avais pas vu. J'avais pas vu la big case 25. Tout ça, c'est une case. Oh là, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Tout va bien. Il y a une big case qui prend tout ça avec le numéro 25. Donc ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On verra demain. On verra demain. Ça rattrape un peu le truc du pop. On verra demain. Je n'ai rien dit. Je retire ce que j'ai dit. Il y aura peut-être une étoile ou un truc à mettre en haut du sapin. Voilà, c'est terminé. Ça fait trop bizarre. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Voilà. Donc je vais pas m'attarder plus parce que pour vous faire un petit résumé, là il est début d'après-midi. On doit aller pas trop tard chez ma belle-maman parce qu'on fait avec mes beaux-parents ce soir. Parce qu'en fait ma belle-mère travaille aujourd'hui et du coup avec ma belle-sœur, je pense que toutes les deux on va prendre de l'avance et préparer un petit peu tout ce qui est toast et tout et tout. Pardon, donc il faut qu'on n'y aille pas trop tard. Et du coup j'y vais en mode débauche comme ça, mais j'emmène ma petite robe et tout, et mes collants et mes chaussures. Et je me ferai bien là-bas. Là si j'ai le temps, je vais au moins me lisser les cheveux, comme ça j'aurai pas le lisseur à emmener là-bas. Et peut-être même me maquiller. Comme ça j'aurai pas le maquillage à emmener, j'aurai juste à emmener mon démaquillant avec mes cotons lavables là pour me démaquiller ce soir, mais j'aurai pas le maquillage à emmener. Donc du coup je vais essayer au moins de me lisser les cheveux et de me maquiller. Mais je vais rester habillée en débauche pour faire un peu la cuisine et tout cet après-midi. Et du coup je m'habillerai là-bas directement avec ma robe, mes collants et tout et tout. Voilà, donc j'essaierai de soit vous mettre une photo dans le vlog, soit je demanderai à mon chéri de me filmer ma tenue. Donc je vais pas mettre la robe Luna Lovegood aujourd'hui, je la mettrai sûrement demain, parce que j'ai deux robes en fait. J'ai une petite noire, toute simple, classique, avec une petite ceinture à la taille, mais un truc que j'ai acheté 20 balles, enfin le truc tout simple. Et j'ai la robe Luna Lovegood, qui je trouve est un peu grande, du coup elle manque d'être un peu cintrée au niveau de la taille, mais comme elle a déjà une espèce de couture, je peux pas rajouter une ceinture, ça ferait deux démarcations en fait, ça ferait trop bizarre. Elle a une couture en dessous de la poitrine, et en fait il aurait fallu qu'elle soit plus serrée sur les côtés, parce que quand je la tire derrière, quand je tire le tissu et que ça du coup ça me colle plus à la peau, ça me va vachement mieux que... Elle est un peu large en fait, un peu trop large, j'aurais dû prendre moins. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Du coup, je pense que je la mettrai quand même parce que je me sens trop bien dedans quand même. Mais c'est vrai que je préfère la noire où il y a une ceinture à la taille et je trouve que ça me cintre un peu plus la silhouette en fait. Donc bref, vous verrez ça. Mais tout ça pour dire que j'y vais en débauche et que je m'apprêterai en fait là-bas. Comme ça, je pourrais faire la cuisine sans avoir peur de me salir et tout et tout. Et surtout que je vais mettre des chaussures à talons ce soir. Attention, je les mets qu'une fois par an à Noël. Parce que sinon je suis pas du tout chaussure à talons, je n'aime pas ça, je me sens pas à l'aise, je me sens déguisée, enfin ça va pas du tout, même avec la robe et le collant, j'ai essayé hier, je me sens pas moi, c'est pas moi, je me sens déguisée, j'apprécie parce que je me trouve jolie, mais je pourrais pas m'habiller comme ça tous les jours, ce n'est pas moi. Donc du coup voilà, je fais quand même je me fais ce petit plaisir, parce que c'est un petit plaisir que je me fais hein, pour Noël, où voilà, je m'apprête
plus, on va dire, par rapport à d'habitude. Hein. Mais c'est pas moi, donc je serai pas comme ça tous les jours, mais ça me fait quand même plaisir de le faire une fois par an. Une ou deux fois par an, parce que peut-être le nouvel an, je vais peut-être faire aussi un petit effort. Enfin, pour moi, c'est pas un... Si, pour moi, c'est un effort, parce que je suis pas comme ça tous les jours, mais je me force pas, c'est ça que je veux dire. Ça me fait plaisir de m'apprêter un peu plus, mais c'est pas moi, donc je le ferai pas tous les jours. Bref, sur ce, je vous laisse, et je sais pas quand est-ce que je vous retrouverai, mais on verra comment se déroulent ces deux jours de vlog. À tout à l'heure. Vas-y mon amour, on les ouvre avant de partir chez papy et mamie. Vas-y, c'est la dernière après hein. C'est là. Là c'est la grande. Vas-y. Oh, c'est le T-Rex. Oh là, mais il est énorme. Oui. Montre. Oh là, ah oui, il est vachement plus gros que vachement plus gros que les autres. Oh là là, t'as vu, il a l'air féroce hein. Oh, il peut. Oh, abuse pas. L'excès quoi. Bon, vas-y. C'est un 2 et un 4. Il n'en reste plus qu'une de toute façon. Un 2 et un 4. Le 2 et le 4. C'est sur la gauche. Ça, c'est à gauche ? Oui. Oui, vas-y. Wow. C'est facile à cliquer. Ouais. Et c'est qui dessus ? Ruben ! Montre. Je vois pas. Ouais. Montre ton dinosaure à papa, parce qu'il a pas vu. Il est où? Bah, je... Ah oui, à tes pieds. C'est le gros. Ouais. Et un gros T-Rex. Il est beau, ouais, il est beau. Alors, tu colles sur... La feuille. Ouais. Voilà. Regardez, ma super correction. Oh, ça fait tomber le courrier de maman. Ouais. Montre. Waouh, c'est beau, hein? Tu ouvres le dernier paquet que maman t'a fait? Oui. Vas-y. Papa, il y a un Lego. Non. Si. C'est pas... Déjà, en plus, c'est pas un Lego. Si. Non. Ah, vas-y. Ah, comment tu sais? C'est parce que j'ai regardé. Mais t'avais pas le droit? Oh, c'est attends. Tu peux déchirer l'enveloppe si tu veux. Attends, attends. Ah oh oui, c'est dur. Attends. Vas-y. Mais continue à déchirer. Doucement, doucement. Oh, oui, un raison, c'est un Lego. Un toupie. C'est un Lego créateur. T'as vu? T'as une grande statue. T'as un chien, une poubelle, un banc, une madame qui lit son journal, un vélo, des fleurs. Ça veut. C'est beau! Un sourire. Un ours pour. Est-ce que t'es content? Une sucette! Ah, il faut la. Ouais, il y a un petit bout qui s'est collé dessus, un petit bout de. Du papier, on va la rincer. Ouais. Un ours polaire, t'as vu, il est beau? Oui. Un petit jeu encore de flipper, là, avec les billes. Et voilà. Essayez-moi. Par contre, mais il a peut-être pas par terre, la sucette, mon cas. Hop. Est-ce que tu es content pour ce dernier jour? Oui. On ouvre les chocolats? Oui, le chocolat. Allez, vas-y. Le chocolat titi. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. C'est un œuf. Tu le crois? Oui. Waouh! Un œuf Kinder. Doucement, parce que si tu le fais tomber, il va casser. Vas-y, penche, penche la maison. Ouais. Tu peux le lancer? Tu vas demander à papa? Papa. Je sais pas. La technique. Ah oui, on va manger, c'est vrai, c'est exact. Manger, ça sera ton dessert. C'est exact, chérie, on va manger. J'avais oublié. Pas la tige, mon dessert. Bon, la figurine, oui. La dernière. Allez, go. Papa. Papa, oui, sois celle-là. Oh, c'est qui? Je ne sais pas. Ah, c'est la copine d'elle. Ouais, je pense. Papa, il va confirmer, mais... Ouais, c'est Chihul. Chihul. Bah, c'est Hulk en fille. Ouais. Allez, son courage est mon père. Allez, on finit. Allez, vas-y. Bah, il joue. De toute façon, il dépasse le truc de papa. C'est un gros. Ah, bah, il est là. C'est un gros, papa. Un gros morceau. Oui. Il est tombé? Oui.
Donc, t'as eu un Papa Noël. Merci. Et voilà. Papa Noël. C'est en train. Les calendriers sont terminés. Ah, je voulais vous montrer. Avant de vous laisser. Excuse-moi, je passe devant toi. Je voulais vous montrer les petites pochettes, les trucs de table que je vais mettre. Du coup, là, ça y est, j'ai tout terminé hier soir. J'ai verni les cuillères et tout. Donc, chaque personne aura dans son assiette ceci. Donc voilà ce qu'il y a dans la petite dans la petite chaussette. Il y a la cuillère comme ça avec le petit nœud que j'ai emballé dans une petite pochette, un sucre d'orge et un petit numéro fétiche et ça et un petit sachet de sablé aussi que je vous ai montré dans le dernier vlog. C'était dans quel je sais plus. C'était dans celle-là. Voilà. Donc c'est ce qu'il y aura dans chaque petite assiette. Donc bref, nous on va manger un petit bout avant de ça me pique le nez avant de partir et puis je vous dis à plus tard. Ça m'étonnerait ça. On va voir. Allume la lumière. Il est passé. Il y a mon gros cadeau. Non. Ah, merci mon cœur. Oh là là. Oui, mais il faut prendre le déjeuner de Noël avant. Non, je crois qu'il est encore en deux. Il faut prendre le déjeuner de Noël. Dis donc. Et avant, il faut prendre le sirop. Ouais, ouais. T'es sûr que c'est ça? Ah, c'est quoi, chérie? C'est pour Haribo? Oui. Alors, le Père Noël est passé pendant qu'on était chez papy et mamie et il a laissé des cadeaux pour le restant de la famille. Ah, c'est le même cadeau que Clochette? Un petit ouais, il a trop faim. C'est un petit poisson avec de l'herbe à chat. Oh, oula. Oh là là. Petit poisson rouge. Ouais, il a trop faim. Et je crois que l'autre petit cadeau, je crois qu'il y avait marqué Haribo aussi. Et les toutous, ils ont eu une grosse pagnette, un gros coussin XXL. Oh là, ils sont gâtés les toutous. Et tout le reste, c'est pour mamie Christelle, Alexis, pour tout le monde. Bah ouais. On va les emmener ce soir. Ouais. Si, parce qu'il a faim et regarde, il sait ce que c'est lui, il a deviné. Ah, ça y est, regarde. Ça y est, le petit poisson. Alors, t'y arrives mon poussin? Ça y est, il lui fait la misère. C'est des croquettes. Oh, c'est des petites croquettes, regarde, Haribo, le Père Noël, il t'a emmené quoi? Waouh. Je peux me faire goûter? Ouais, on va lui faire goûter. Bon, je crois, elle est pas à sa place encore parce qu'il faut qu'on enlève la vieille, mais je crois qu'ils l'ont adoptée.
Allez bébé. Un pain qui marche. Hein. Elle est belle la panier du Papa Noël. Ouais, vous êtes content? Je vais enlever l'autre. Ouais, il faut qu'on aille l'enlever. En tout cas, ils sont contents. Hein. À l'enlever. Merlin. Non, reste couché bébé. C'est un gros coussin énorme. Re-coucou, je vous retrouve face cam. Donc nous sommes le 25, il est 16h37. Nous venons de rentrer de chez mes beaux-parents. Je vous retrouve vite fait parce que là, bah, du coup, on va aller prendre la douche, se préparer tout pour ce soir pour faire Noël avec ma maman et ma soeur. Et du coup, je vais ouvrir les derniers petits cadeaux de Laura, Arthur aussi, et les petits cadeaux derrière qu'il y avait sous le sapin de la part de ma chérie Nou. Donc on va regarder tout ça. Alors, celui-ci, c'est un cadeau de Laura, il y a marqué Arthur. Alors, je te laisse déballer. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer, il y avait ça aussi au fond du carton de Laura. Donc une planche apéritif avec un petit couteau. L'apéro en limousin. Wow, c'est donc en merci. Papier bulle. Ah, c'est dans du papier bulle. Alors, oh là là, oh là. Je sens qu'il va être content. Alors, Laura pour Arthur. Oh là là. C'est quoi ton avis? Une bouteille. Pour c'est pour faire quoi? Une bulle. Oui, c'est un flacon à bulles. Bulle géante garantie. Là, c'est pour faire des bulles géantes. Et un petit pour faire des petites bulles. Et un pour faire des grosses bulles. En plus, t'adores faire des bulles. Bon, là, c'est pas trop le... Bon, il fait un peu frais dehors, mais... Merci, Laura. Il adore les bulles. Donc, je pense que tu es content, mon poussin. Ouais. Ensuite. Alors. On a encore un petit pour toi, mon bébé. Donc, un petit pour Arthur. Tiens. Et moi j'ai le cadeau du 20, du 25 de Laura. Donc j'ouvre en même temps. On ouvre tous les deux. Je crois que je vais être content là. Tu crois que tu vas être content? Oh là bah oui. Alors voilà. Un pêche. Oh là là. Et c'est qui le personnage? Donald. Donald. Oh il est et beau. C'est la petite KTS. Ah oui. Bah si, c'est juste une image. Arthur adore les pèses et les petits distributeurs à pèses. Donc, un truc comme ça, Donald, et des recharges de petits bonbons pèses. C'est quoi ça? Oui, merci. Tiens, attends, tu dis merci à Laura parce que je crois que toi, tu n'en as plus. Merci, Laura. Donc, moi, j'ouvre le cadeau du 25 de Laura. Oh là, mon petit cœur. Hein. Attends, maman, elle déballe. Ouh, c'est joli. Oh. Décoration murale. Alors attendez. Mermaid plaque. Alors, ce sont des petites plaques à suspendre. Heureuse comme une sirène dans l'eau. Oh, c'est trop joli. Et les dégradés violet, rose et turquoise, bleu. Et vous voyez, c'est une petite suspension et c'est du bois. J'ai failli te mettre un coup, non? C'est super joli. C'est trop trop beau. Merci Laura. Donc ça c'était mon petit cadeau du 25. Est-ce qu'on a tout ouvert? Alors Laura avait mis des petits bonbons, des petits bâtons de viande pour Haribo et pour les toutous. Donc merci pour eux aussi. Il y a ensuite un cadeau pour Arnaud Fouras. Moi. Que j'appelle à la barre. Oui. Et un pour ma soeur que je lui donnerai ce soir. Et du coup je posterai je pense que la story sera déjà en ligne. Mais je posterai une petite story. Enfin j'aurai posté une story pour vous montrer du coup ce que ma soeur a eu. Tiens Arnaud Fouras. Alors attends mon amour, on va ouvrir les petits cadeaux de Marion. D'accord. Arnaud Fouras déballe. Attends deux secondes chérie. On va ouvrir les cadeaux de Marion. Arthur, dès qu'il... J'allais dire Arnaud. Arthur, dès qu'il y a des bonbons, il ne répond plus de rien. J'ai vu. C'est une planche pour découper des trucs dessus. Alors, qu'est-ce que tu as eu de beau? Yves Rocher, gel douche, corps et cheveux. Donc, c'est de... Ouais. C'est shampoing, gel douche. On va peut-être pas l'ouvrir tout de suite parce qu'on a encore des trucs dans ta main. Mais... Ah oui, c'est une odeur assez masculine. Bois de cèdre. Bois de cèdre et citron vert. Ouais, on sent un peu, ça sent bon. Ça va sentir fort. Et l'autre... Exactement. Donc je vous montre en même temps. Gel douche, parfumé, corps et cheveux. Mais comment tu sais que ça va sentir fort? Machu Picchu.
Non, mais... Mais si, il y en a qui est Machu Picchu. En haut. Terre, Inca. Ouais, et puis sur les côtés. La route des épices. Ah oui, je vois. Ça sent superbe. Donc c'est cool. Ouais. Ça va te changer des trucs qui sentent l'amande, les trucs un peu fleuris, légers. 2 minutes. C'est qui? C'est Laura, celle qui m'a envoyé, Laura. Tu sais, le calendrier. Enfin, le calendrier avec tous les petits cadeaux. Non, mais on ouvre les petits cadeaux de Marion. Après, on ouvre les bonbons, si tu veux. Alors, ma chérie Nou, elle m'a offert, ça c'est pour moi, le petit truc comme ça, c'est pour Arthur à ouvrir le 25. Donc c'est comme maman, son petit nécessaire pour Poudlard. Je te laisse ouvrir, moi j'ouvre ça et après j'ai le sac qui est là. Alors, ma chérie Nou, j'ai un peu peur. Normalement, t'as dû ouvrir aussi les tiens. Je vais attendre que tu m'envoies un petit message. J'ai hâte. C'est un truc Harry Potter. Un truc Harry Potter? T'as pas de truc Harry Potter, toi, en plus, encore? Ah oui. En plus, t'adores Harry Potter. Regardez ce que je vois. Pop. Regarde. C'est une nouvelle pop, chérie. Alors. Oh, elle est trop belle. C'est Anna. Anna petite dans Frozen 2 que on m'a toujours pas emmené voir Frozen 2. J'ai trop envie de voir, j'ai trop hâte. Je ne l'ai pas encore vue. Et donc c'est Anna petite, elle est trop trop belle. Alors j'en ai quelques-unes de Disney, pas autant que les Harry Potter, bien évidemment. Mais j'en ai quelques-unes de Disney et j'en avais pas. Non, j'en avais pas de la Reine des Neiges encore. Donc merci ma chérie. Elle va aller sur ma bibliothèque avec les autres. Une trousse. Maman, elle est jalouse. Hein. Je tiens quand même à le dire, une trousse Harry Potter transparente. Et comme. Et à l'intérieur, alors on va regarder. Oui. Oh là, je vais tout piquer, tu le sais. Non. Oh, si. Non. Mais non, je rigole. Alors, un petit carnet griffon d'or. Oh là, regarde-moi ça, comment il est beau. Attends, je vous montre et après je te donne un petit carnet griffon d'or. Avec un intérieur lié. Ah, c'est pas des gommes, c'est des petits post-it. Des petits post-it aux couleurs des maisons. Et ça, c'est quoi? Un taille-crayon. Alors ça, par contre, c'est sous surveillance de maman. Parce que je veux pas que tu te tailles le doigt. Hein, un crayon. Avec le petit blason. Un crayon à papier. Oh, il est beau, t'as vu? Il y a tous les personnages dessus. Un crayon à papier. Et ça ne va pas faire le point. Et les gommes. Tous les personnages. Et ouais, des gommes avec qui? Est-ce que t'arrives à deviner les personnages? Alors, vas-y. Ron, Harry Potter, je ne sais plus. Hermione. Hermione. Et la chouette. Je ne sais plus. Edwige. Edwige. Elles sont trop trop belles. Elles sont hyper jolies. Oh. Et une règle. Oh, elle est belle. Hein. Une règle avec tous les personnages encore. Eh ben, dis donc. Ils sont bizarres, les crayons. Eh ben, ils sont bizarres parce qu'ils sont pas taillés, ils sont tout neufs. Parce qu'il n'y a pas de mine, c'est pour ça. Mais il faut les tailler. Et un crayon aux couleurs de Gryffondor, comme ça. Voilà. Oui. Maman, elle est jalouse, en plus, c'est Gryffondor. Je suis très jalouse. Je tiens à te le dire. Alors, oui, 2 minutes. Maman, elle ouvre. Ben, va demander à papa, sinon. Comme ça, maman, elle ouvre son petit cadeau. Et puis, toi, je te fais pas attendre plus longtemps. Voilà. Donc, on ouvre le... Enfin, j'ouvre... le sac Hogwarts comme ça de ma chérie Nou. Alors, donc à ouvrir le 25 à défaut, ah oui, de l'avoir fait moi-même. Pierre Richard, madame s'en est occupée et je suis un peu jalouse. Donc, c'est énigmatique quand même. On va découvrir ça. Donc, j'ouvre le petit scotch au-dessus. Vous allez pas trop voir, je vais peut-être me reculer un peu. Je vais donner mon pastonade. Oui, ton pastonade. Tiens, mon poussin. Alors. Ah oui, alors, du coup, j'ai dormi qu'une heure et demie cette nuit parce que du coup, je vous ai pas donné de nouvelles. Hier, ça s'est hyper bien passé. J'ai dormi qu'une heure et demie cette nuit parce qu'on a joué jusqu'à 2h ou 2h30 avec ma belle-mère et ma belle-sœur. Mon chéri était parti se coucher depuis, je sais plus, minuit, 1h. Et Arthur, lui, il a demandé à se coucher hyper tôt, avant minuit. Enfin, hyper tôt, avant minuit. Du coup, voilà. Et comme on a dormi sur un BZ, je crois. Le matelas était hyper dur, puis bah, je sais pas vous si c'est comme... Oui, je fais du suspense. Je sais pas vous si c'est comme pour moi, mais quand je dors pas dans mon propre lit, j'ai beaucoup de mal à dormir. C'est chiant.
Et du coup, j'ai dormi qu'une heure et demie. De 3h à 4h30 du matin. C'est ça. Voilà, voilà. Donc, je suis plus ou moins fraîche pour ce soir. Alors... Oh mon dieu, il est trop beau! Il est trop beau! Vous allez pas bien voir la couleur? Attendez, il faut que je bouge la caméra, il faut que vous puissiez voir ça. Attendez. Ne bougez pas. On va se mettre à peu près. On va rien voir. Il faut que vous voyez ça. Vous allez pas plus voir la couleur. Oh mon dieu! La caméra est pas droite. C'est pas beaucoup mieux. Regardez-moi cette merveille. Tu vas être jaloux de mon cadeau, bébé. Ouh. Tu sais pas ce que c'est. Si je te dis que c'est un pull. C'est le pull de Ron. Ah, t'avais une chance sur deux. C'est de Harry. Oui, c'est le pull d'Harry. Il a trouvé. Putain. N'empêche, t'es fort parce que genre un pull, ça aurait pu être n'importe quoi en fait. Pour plus te mettre à chialer, non. Je chiale pas, mais je suis pas loin. Donc, c'est le pull de Noël d'Harry. En plus, tu l'as pris bien large. Du coup, pour rentrer mes bouées, ça va être nickel. Et moi, j'adore porter les pulls larges. Donc, celui-là, il est... Oh, si, il est quand même un peu large, celui-là. Celui-là, c'est un pull que j'avais eu sur le Disney Store. Donc, il est très kitsch, mais je l'adore. Avec les petites boules, des vrais pompons, hein, les boules de Noël. J'adore ce pull. Et donc, il est bleu marine. Est-ce que vous allez... Ah ouais, je pense que vous allez voir. Il est bleu et là, tout doré. Alors ce soir, je mets ma robe de Luna Lovegood, mais j'aurais trop voulu le mettre. Je vais peut-être le mettre demain parce qu'on va au parc Astérix. Et du coup, pour pas avoir froid, je vais peut-être le mettre demain. Et vous voyez, tout doré quoi. Il est magnifique. Il est trop trop beau. Merci ma chérie Nou. Tu l'as pris en XL. Ouais, bah t'as bien fait parce que... Il est tellement doux. Je suis trop contente. Bref, c'est tout. Je vais vous raconter, si vous voulez, vite fait, ce que j'ai eu comme cadeau. Enfin, ce qu'on a eu comme cadeau par Papa Noël. Alors, on a eu plein de trucs. Arthur a eu la reine Bakugan. Non, mais chez Papy et Mamie, la reine Bakugan, donc parle Papa Noël de nous. Qu'est-ce que t'as eu d'autre? Un gros... c'est quoi ça? Power Rangers? Oui. Un gros truc Power Rangers. C'est... La fabrique à histoire. Ouais. Pour faire les histoires. Wow. Donc tout ça, c'est pas notre Papa Noël. Et c'est tout, je crois. Et ensuite, par le Papa Noël de Tata, Papy Mamie, plein de trucs, des livres, j'ai plus de mémoire, un panier de basket, des géomags, les trucs aimantés, là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je regarde, parce qu'il y a les sacs, là, on vient juste d'arriver. Faut que je vous montre. Moi, parle Papa Noël de papa, donc de mon chéri. Il a commandé ça au Papa Noël, papa. Un jeu, alors je ne connaissais pas du tout. Ça, c'est figurine. Ouais, mais là, c'est des moyens pop. C'est pas, ils sont pas petits comme dans les calendriers. Et ils sont pas gros. Humains. Ils sont. Attends, mon cœur. Attends, tu peux juste secouer mon cœur. Ils sont pas gros comme les grosses pop. C'est des moyennes pop. Mais en fait, c'est un jeu de stratégie. Donc moi la stratégie, autant vous dire que je suis nulle, mais je vais essayer parce que c'est Harry Potter quoi. Hein. Donc voilà, genre jeu de stratégie, machin, j'en avais absolument jamais entendu parler. Et ouais, et le Papa Noël, il a oublié hein, le prix. Voilà, mais ça c'est mon... Ouais, mais c'est le Père Noël, en même temps il a oublié, écoute. Hein. J'ai eu aussi, par le Papa Noël de mes beaux-parents... Il était sur ma wishlist, le chemin de traverse. Donc il y a plein de petits trucs, des petits trucs qui se déplient, qui s'ouvrent et tout. J'adore les bouquins comme ça. The gros cadeau par Papa Noël de mon chéri. Attention, vous n'êtes pas prêts. Vans a sorti, je sais pas, oui, je pense que puis, si vous vous intéressez un peu, Mr. Jack, Vans et tout. La collection, l'étrange Noël de Mr. Jack. Donc plusieurs fringues, casquettes, chaussures. Et il y avait ces modèles-là. Voilà, donc elles sont différentes, très colorées, mais moi j'adore. C'est passe-partout comme dit mon chéri, exactement. Voilà. Oh là 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 là, la merveille. Voilà. Voilà, et la deuxième, comme elles sont les deux différentes. Hein. Tac,
Je suis absolument fan. Là, on voit un peu Sally. On voit Amstramgram, Oogie Boogie. Ta-da-da. Est-ce qu'on voit? Voilà, en taille 37. Bon, un peu grande, mais bon, avec une paire de chaussettes, je pense que c'est nickel. C'est la... De toute façon, 37, c'est ce que je mets en Vans, de mes vieilles Vans. Donc, du coup, voilà. Papa Noël de mes beaux-parents. Le mug Big Chaudron Harry Potter, qui était aussi sur ma wishlist Amazon. Mon chéri a eu, par sa sœur, le Père Noël de sa sœur, à tes souhaits, un mug. Mon brother, c'est le meilleur après moi, bien sûr. Non, voilà. Des chocolats, alors, avec de la liqueur. Ceux-là sont végétaliens. Les... Tout ce qui est chocolat noir avec de la liqueur. Bon, après, il faut vérifier les étiquettes, mais ceux-là, en tout cas, oui. J'ai une petite bougie Yves Rocher. Tellement de trucs, je saurais même pas. Enfin, tellement de trucs. C'est pas dans l'excès non plus, mais quand même beaucoup gâté. Hein. Je cherche comme ça. Je suis sûre qu'il y a encore des trucs, mais Arthur a eu une petite mallette comme ça avec des feutres et des trucs Toy Story. Mon chéri, des mangas, des t-shirts Iron Man et Deadpool. Ah oui, et un truc que je peux pas vous montrer parce qu'on est sur YouTube, mais de ma part, il avait dit ça en rigolant et tout, mais le Papa Noël, lui, il retient tout. Du coup, le calendrier 2020 de Clara Morgan. Voilà, donc il est très content. Hein, t'es très content? Ouais. Il a bien choisi le Père Noël quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, des mon chéri. Ouais, des mangas, ça c'est les trucs de mon chéri. Il a eu un fer à souder, par le Papa Noël de ma part aussi, parce que c'était dans sa wishlist. C'est tout en gros. Hein. Voilà. Voilà, je pense qu'on a bien résumé le truc. Enfin, que j'ai bien résumé le truc. Ce vlog va être très très long. Donc là, ce soir, enfin tout à l'heure, on va chez ma maman. Je vous, pour clôturer le vlog, je vous dirai du coup bah, comment s'est passée la soirée. Je vais essayer de filmer la petite table de chez ma maman, le sapin de Noël, etc. etc. Et en rentrant, si j'ai le courage, ou demain matin avant de partir au parc Astérix, on va être crevé demain, ça va être la folie. Je pourrais pas faire le montage, je pense, mais je pourrais au moins clôturer le vlog. Et vous dire du coup ce que Papa Noël nous a apporté chez ma maman et ma soeur, puisque ma soeur est avec nous aussi ce soir. Je n'ai plus de souffle, le pull, je vais l'essayer direct, j'adore. Donc je vous fais des gros bisous, si j'y pense, parce qu'hier du coup j'ai pris une photo, enfin mon chéri m'a pris en photo avec ma petite robe noire, je vous posterai une photo là, si vous voulez voir à quoi je ressemblais hier soir pour le 24 au soir. Voilà, vous êtes en train de visualiser le morceau, voilà. Et ce soir je vais mettre la robe de Luna Lovegood qui je trouve me va moins bien parce qu'elle est plus large, vous verrez. Je vais essayer peut-être de la cintrer avec une épingle à nourrice. Je vais essayer de bricoler un truc. Ça va pas tenir, mais je vais essayer de bricoler un truc. Et bah, si j'y pense, j'essaierai de filmer un petit bout pour vous montrer. Pour vous montrer à quoi ça ressemble quand je la porte. Voilà. Même si, comme je vous dis, plus cintrée, elle aurait été vachement mieux. Mais j'ai vu grand, en fait. J'ai vu un peu grand. C'est pas grave. Au moins, je suis à l'aise dedans. C'est le principal, j'ai envie de dire. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous retrouverai tout à l'heure.
Je vous retrouve, nous sommes le 27 seulement pour clôturer ce vlog. Après, je vais faire le montage. Ça va être la folie parce que j'ai fait 30 millions de bouts avec mon téléphone, 30 millions de bouts avec ma caméra. Il va falloir que je regroupe tout ça et tout. Donc, hier, je vous ai pas fait le montage ni rien et je vous ai pas pris parce qu'on a passé toute la journée au parc Astérix. C'était super, hein. Mais il faisait très froid et on était KO des fêtes. Et du coup, parc Astérix le 26 décembre, c'est pas. Enfin, un parc d'attractions en général, le 26 décembre après les fêtes, c'est pas le méga bon plan, que ce soit pour nous ou pour le petit. On était tous KO, mais c'était hyper bien. Je vous retrouve pour clôturer donc cette série de vlogs de Noël, enfin, avec le calendrier de Marion. Alors attendez, comment je vais faire? La case 25. Bon, vous me voyez face cam parce que je vous tiens à la main, mais j'ouvre la case 25 avec vous. Alors. Yeah! Oh! Joli petit carnet. Alors, la vue très avantageuse, je viens de sortir de la douche, ce qui explique mes cheveux trempés. Hop, un petit carnet. Oh, il est super joli. Un petit carnet Mickey Mini. Et vous voyez, il y a des paillettes en fait. Oh, c'est trop beau. Ça, c'est trop bien pour glisser dans le sac à main. Quand on a quelque chose à noter et que bah on n'a pas forcément de papier sous la main, on se dit oh, merde, j'ai pas de papier, j'ai pas de stylo. Bon, moi j'ai toujours un stylo dans mon sac, mais j'ai pas de papier. Du coup, c'est cool. Et la dernière case de la sapinette du 25, parce que je vous ai attendu. Hier, en même temps, on est parti très tôt, on est rentré tard. Alors, c'est parti. Découvrons cette dernière. Je vais pas y arriver. Oh la vache, attendez, je prends l'autre main. La main droite, ça va peut-être aller mieux. Ou pas. Elle a l'air archi dure cette case. Attends, le fail. Bon, bah, à l'année prochaine. Je vais pas y arriver. Alors, ça y est. Oui! Waouh! La voilà l'étoile! Hop, oh, puis elle est trop belle. Voilà la tant attendue étoile. Alors attendez. Comment on va la mettre? Est-ce que je vais y arriver? Alors, d'une main, bon, c'est pas facile. Yes! Tadam! Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Voilà cette dernière décoration de sapin. Et la clôture des vlogs. Donc merci d'avoir regardé tous ces vlogs de Noël avec nous, notre petite famille. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est passé si vite. Restez jusqu'à là tout de suite parce que je vais vous mettre les 15-30 secondes de petits bêtisiers de l'intro. Faut que j'y pense au montage, mais bon oui, je vais faire le montage, donc forcément je vais penser. C'est pas grand chose, mais nous on a bien rigolé quand on a fait l'intro. Bref, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer encore de bonnes fêtes, un bon réveillon par avance et je vous dis à très très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye! Vas-y. De quoi? Tourne, enfin où? Vas-y. Vas-y.